Bon, je pense que c'est toujours encore un peu tôt, hein. C'est tout nouveau encore pour moi, mais disons que sur le troisième tome, je suis assez content. Enfin, je suis un peu plus content du tome 3, parce que ça va vraiment dans le sens que je voulais, au départ. Donc, on entre plus dans le vif du sujet, donc, que je voulais traiter depuis le départ. Donc, je suis à l'aise. En même temps, oui, je me rends compte qu'il y a encore plein de choses à apprendre, quoi. Donc c'est ce qui est bien aussi, enfin, c'est stimulant. C'est un chouette, enfin, disons, je trouve que c'est un chouette métier d'écrire, et donc voilà, je suis en apprentissage, comme D'accord. je l'ai déjà dit. Bah, je pense que ouais, c'est des expériences qui sont très importantes. Maintenant, je ne sais pas ce que j'ai retenu de chacun, mais c'est sûr que c'est important d'avoir fait. Et je continue d'ailleurs de collaborer avec des scénaristes. Il m'amène un point de vue que moi je n'aurais pas. Donc forcément, ça nourrit aussi mon imaginaire. Et puis, ouais. Ça fait pas de mon évolution. Maintenant, je ne sais pas exactement, voilà, à part les scènes d'orgie qui influencées par des Sberg ou sinon, voilà, quoi. Donc, je pense que ça a été bien de travailler avec des scénaristes parce que j'en avais besoin, parce que je voulais même me concentrer avant tout sur le dessin. Ça m'a toujours intéressé de participer aussi à la création des personnages ou de l'histoire, ce que j'ai toujours un peu fait, mais c'était bien une époque de me concentrer vraiment sur le dessin. Et là maintenant, voilà, depuis quelques années, j'ai vraiment envie de développer mes propres trucs, quoi, donc d'assumer aussi mes idées et tout seul. J'aime beaucoup les dialogues de Thierry Smolderen. J'aime beaucoup la prose de Jean Dufaux. J'aime beaucoup comme disons, le côté obscur de ce personnage qui l'amène dans ses BD, dans ses histoires. La culture qu'il a aussi, qu'on ressent d'ailleurs. Et puis j'aime bien les intrigues de Desbergues, donc oui, il y a des. Ouais, donc, chacun a ses points, on dit, ses points forts, quoi. Donc heureusement, chacun est différent. C'est ça qui m'a intéressé aussi quand j'ai changé de projet, quand j'ai accepté de collaborer avec l'un ou l'autre. Donc j'avais aussi envie d'essayer qu'on me raconte de manière différente les histoires. Donc, c'est chouette que chacun a sa personnalité. Oui, ben, disons qu'il y a des choses il y a certaines choses que j'aime pas représenter. Oui. Et puis, j'ai toujours l'impression que je me laisse pas assez de place pour des scènes d'action ou pour des. Voilà, malgré de faire mon truc tout seul, on penserait, ouais, moi là, il pourrait se faire plaisir, j'ai toujours. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours trop de trucs, c'est trop dense, et puis ça laisse parfois pas assez de place pour développer des moments de plaisir ou des moments d'action qui sont parfois aussi stimulants pour sortir, pour changer par rapport à des scènes de dialogue, des scènes où on s'arrête dans un lieu, enfin, ou qui deviennent peut-être un peu trop longues. Donc des scènes d'action permettent aussi de faire bouger un peu les choses, de se lâcher un petit peu. Et notamment, enfin oui. J'ai l'impression que je me laisse pas assez de place pour ça, mais
Mais c'est prévu dans les suivants. Il y aura, ça bougera un peu plus forcément parce que on passe plutôt vers l'action, vers le conflit. Et donc voilà quoi. Oui. Je sais pas, enfin, bah j'espère, oui, bah j'espère que d'avoir touché aussi des gens qui ne me connaissaient pas encore. Probablement j'en ai perdu aussi des lecteurs, je sais pas, enfin, ah, c'est difficile à savoir, donc. Bah, c'est moins le cas déjà parce que en Suisse la BD en général n'est pas très présente. Donc un petit peu bien sûr elle est présente dans les parties francophones de la Suisse, mais la partie suisse-allemande qui est assez grande. Il y a quelques magasins, quelques libraires spécialisés, mais voilà, ça ne fait pas partie de la culture suisse, quoi. Donc, en Italie, bah, ils ont l'habitude de lire des fumetti. Donc, ils achètent ça au kiosque. C'est des BD en noir-blanc à bon marché. Donc, ils n'ont pas tellement l'habitude de lire des bandes dessinées. Ça vient de temps un peu plus. C'est arrivé un peu plus qu'avant, mais c'est voilà, les tirages sont très faibles et donc non, je suis pas très connu là-bas. Maintenant, il y a des traductions en italien, mais ouais, enfin ils font plutôt des petits intégrales en petit. C'est un peu dommage quoi. Ils prennent 3-4 BD, il est voilà, c'est tout est compressé. Voilà, il manque peut-être il manque de moyens, c'est un manque d'intérêt et c'est un peu de dommage quoi pour voilà. Donc, non, je rêve pas de ça. Je suis pas, enfin, j'en fais un des pin-up comme ça de temps en temps, mais je suis pas tellement fan de. C'est pas ce qui me fait vraiment rêver. Je le fais parce qu'il y a de l'intérêt, il y a des fois, faut peut-être pour des expositions, parce que c'est connu que ça se vend bien, donc je sais, voilà, je me prostitue un petit peu, voilà. Mais je le fais parce qu'il y a, voilà, il y a de l'intérêt de certains. Mais je personnellement. Dessiner ou dessiner même ou même une illustration d'un personnage en action ou une femme nue comme ça hors de contexte d'une histoire m'intéresse a priori m'intéresse pas. De temps en temps je le fais justement donc pour des expos parce qu'il y a une demande, une commande, ça arrive, c'est souvent bien payé, donc voilà, c'est pour ça. Mais le plaisir, moi je prends vraiment du plaisir quand c'est intégré dans une histoire, quand c'est justifié, voilà. Donc, bon, voilà, on peut me dire, voilà, est-ce que c'est justifié de le faire dans l'histoire? Ça dépend, enfin, moi je trouve que oui, mais voilà. Donc, ouais, moi j'aime bien moi j'aime bien raconter les histoires, des histoires. Ça peut se faire avec une illustration aussi, hein, bien sûr. Mais juste une pin-up, voilà, ça dépend. Enfin, ça c'est vraiment a priori non. Donc, mais je le fais, C'est hein, pas je le grave. fais, c'est pas que je le fais pas, je le fais. Mais pour des raisons financières, avant tout. Ou sinon, c'est peut-être comme exercice de style, ouais, ça peut être, ouais, comme expériment graphique, ouais. Ça, oui, ça peut être. Ça, je le fais aussi. D'accord.